Ce jeudi 23 mai avait lieu le célèbre gala caritatif de l'Enfar à l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes en marge du Festival de Cannes 2024. Cette tradition a été honorée par de nombreuses célébrités déchaînées pour l'occasion. La soirée de ce jeudi 23 mai n'a pas été uniquement marquée par la montée des marches pour le film L'amour ouf de Gilles Lellouche. Si Adèle Exarchopoulos et François Civil se sont montrés main dans la main et très complices sur le tapis rouge, ils ne sont pas les seuls partenaires à s'être fait remarquer dans la soirée. Ce même jour avait lieu la 30e édition du gala de charité de l'Enfar en faveur de la lutte contre le sida organisé à l'hôtel du Cap Eden Rock au Cap d'Antibes. Un événement caritatif qui a réuni bon nombre de personnalités. Les stars se sont réunies au gala devenu traditionnel au fil du temps. Un événement incontournable en marge et du Festival de Cannes que beaucoup de personnalités n'ont pas voulu louper. Heidi Klum était présente en compagnie de sa fille Lenny, Paris Jackson, fille de Michael Jackson, avait également fait le déplacement dans une robe qui en montrait presque trop. Diane Kruger, Kelly Rowland, récemment prise au cœur d'un moment de tension lors d'une montée des marches, Demi Moore, le DJ Diplo et le rappeur Taïga, Michelle Rodriguez, le mannequin Winnie Harlow, Omar Harfouche le pianiste et compositeur accompagné de son épouse Julia, Robin Tiquet et sa compagne, Michelle Lio, Nabila Benatta, Paris Jackson, Magic Johnson et sa femme Cookie, Ronaldo et sa femme Selena. Point CIST un parterre de stars qui a tenu à assister à l'événement emblématique. Mais certaines se sont démarquées plus que les autres. Sarah Ferguson au top de sa forme malgré la maladie. Un membre de la famille royale britannique était d'ailleurs présent sur le tapis rouge, Sarah Ferguson. L'ex-femme du prince Andrew était d'ailleurs en pleine forme. Atteinte d'un cancer qu'elle a révélé un peu plus tôt dans l'année, la maman de Béatrice et Eugénie Dior débordait d'énergie, et ça faisait plaisir à voir. Autre célébrité remarquée, la chanteuse Cher. Cette dernière n'avait pas fait le voyage en solo, puisqu'elle était accompagnée de son chéri Alexander Edwards. N'en déplaise aux mauvaises langues, les amoureux, que 40 ans séparent, sont toujours aussi épris l'un de l'autre. Ils ne se sont d'ailleurs pas gênés pour échanger un bisou langoureux devant l'œil des photographes à qui rien n'a échappé. Entre eux, pas de doute, l'amour est vraiment ouf. Just me.